Ah, mais... C'est bon. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que je préparais plein de nouveaux projets niveau musique. Je vous mettrai le lien de ma chaîne musique en description, n'hésitez vraiment pas à venir vous y abonner en masse. On va faire un petit truc, si j'atteins les 50 000 abonnés dessus, je vous sors un projet direct. Rockstar, baby, baby. Salut l'équipe, c'est Mikalash, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement piéger un dealer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été contacté par un abonné pour me dire qu'il y avait un genre de dealer qui traînait dans ce coin, qui apparemment arnaquait les gens, les volait et aussi les racketait. Donc c'est pour cela que je me suis rendu pour le piéger. Et comme vous allez le voir, franchement je suis plutôt fier de moi, j'ai réussi à le faire bien péter les plombs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes en toute cette vidéo si elle vous plaît, comme vous le savez c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci, on s'approche de plus en plus des 500 000 abonnés, un demi-million d'abonnés, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement énorme l'évolution et l'ampleur que ça prend. Donc un grand merci très sincèrement à vous tous, sachez que c'est que le début, il y a encore plein de projets qui vont arriver. Bon là c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu quelques difficultés pour les tournages, mais ne vous inquiétez pas, on va rebondir de plus belle. Mais voilà, sachez que quoi qu'il se passe, je serai toujours là au rendez-vous, une vidéo chaque semaine sur la chaîne Mikalash. Et là en plus je suis en train de vous préparer plein de nouveaux projets, que ce soit dans la musique, que ce soit sur ma chaîne secondaire, les vidéos vont revenir. Et je pense en tout cas que vous allez être servis. Continuez de vous abonner en masse, c'est gratuit. Comme je vous l'ai dit, on se rapproche de plus en plus du demi-million d'abonnés, et comme c'est quelque chose d'assez énorme, on fera quelque chose d'assez énorme quand on aura atteint ce chiffre. Et n'hésitez surtout pas non plus à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Sur ce, c'était Mikalash et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Oh gros, ça va? Tranquille. Hein? Qu'est-ce qu'il fait sur mon territoire là? Comment ça? Bah t'es sur mon territoire là frère. C'est qui toi? Moi? Ouais. Moi je suis Anthony de la Vega. Comment ça Anthony de la Vega? Moi je connais pas toi. Tu fais quoi ici? Comment ça ton territoire? Ouais, tu fais quoi sur mon territoire frère? Comment ça ton territoire? On se connaît? T'es un vendeur non? Ah, oh tu me prends pour qui? Comment ça je te prends pour qui? Comme ça? On se connaît pas, tu viens me parler, vas-y casse-toi. Comment ça? Comme ça? Ah. Frère, voilà, c'est mon territoire, on va dire que je te tolère, tu vois. On va dire que t'es mon petit caniche, tu vois. Et du coup, ouais, ouais, parle-moi. C'est bon, tranquille. Là, tu viens, tu me parles comme ça, t'es qui? On se connaît? Je suis on se connaît, vas-y, casse-toi. Antonio de la Vega. Ah, écoute, c'est bon, on va faire affaire, C'est mon terrain, ça. Ouais. On va faire affaire. Quelle affaire? On va faire affaire, c'est bon. Tu veux quoi? Laisse tranquille. Tu ne me dis pas, laisse tranquille. Regarde. Toi, tu restes tranquille. T'es un vendeur, toi? Non, je suis pas vendeur. T'es pas un vendeur? Non, je suis pas vendeur. Tu vends pas de la... Oh, t'as cru que c'est un super marché ou quoi? Monsieur, il vend de la... Vous voulez un petit peu? Mais ouais, ta gueule toi, oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Qu'est-ce que tu fais devant des gens comme ça? Mais frérot, tu vends pas alors? Mais fais ta gueule toi, tu parles comme ça. Ah, tu nous as pas grillé là. Comment ça? Comme ça. T'as des mecs qui passent devant et toi tu parles. C'est bon, c'est ta gueule. Je vais faire le fou. Parle-moi. On se connaît pas. Parle plus correct. Je te parle comme je veux, c'est mon terrain, c'est mon terrain. Recule, c'est bon, tranquille. La prochaine fois que tu fais ça, je te monte en l'air ici. Je te monte en l'air, d'accord? Si tu regardes comme ça, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu comprends pas le français? C'est bon, tranquille. On va parler affaires, on va parler business. Moi, je viens t'acheter de la bonne. Tu vends ou pas? Tu veux quoi? Du gazon. Quel gazon? Oh, t'as pas un peu de gazon, frère? Quel gazon? Le gazon, il est là par terre, gazon. Regarde, je vais te proposer un truc. Viens. Je vais te proposer un truc. Moi, je t'échange ça contre du gazon. Ah, vas-y, casse-toi, putain. Oh, c'est. Tiens. C'est pas un hôpital, mais c'est. Ah, qu'est-ce que tu fais? Me touche pas comme ça. Mais. C'est des cassos, là. On met dans ta poche. Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Tu viens de bousiller la marche. Rien à foutre. Ça, t'as pris par terre. Tu bousilles la marchandise, là. Mais rien à foutre de ton marchandise. Tu bousilles la marchandise. D'accord? Vas-y, casse-toi. C'est bon, frère, tranquille. Quand tu t'es. Merde comme ça. Je sais pas, tu viens, tu parles, tu fais le malin. Mais frère, je voulais juste. Bon vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je te prends 200 euros. 200 euros de marchandises. Du gazon. Tu vois, 200 euros? Ouais, 200 euros de... 200 euros. Oh, non, parle pas comme ça, parle pas de frais. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. 200 euros? 200 euros, je t'en prends, tu me passes 200 euros. Toi, ça, je te passe 200 euros. Non, moi, je te passe 200 euros. Et genre, toi, tu me passes le... 200? 200, ouais, je veux un 200. Ouais. T'as les billets? Ouais. Sors les billets, alors. Je vais te les sortir. Sors les billets? Apporte-moi la marchandise et je te les sors. Je te jure que je te les sors. T'es chelou toi. Comment ça je suis chelou? Je sais pas, t'es chelou, je te sens pas. Mais non, parce que j'ai un flic. Non, je suis pas un flic.
Je suis pas un flic, frère. 200 200 euros. Oh, et après, je prends et je me casse. Bon, rappelle ici. Je fais le gay, hein. Comment ça, je fais le gay? Je fais le gay, là. Tu surveilles. Moi, j'aime les femmes, frère. Tu surveilles. T'es con, quoi. Genre, après, je peux faire, si tu veux, je peux faire genre comme ça, tu vois. Là, je peux faire comme ça, genre. T'as un victoire comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Registré. C'est bon. C'est pas là, c'est correct, là. C'est bon, c'est pas là pour s'amuser. On fait du bise ou on fait pas? C'est bon. Bon, vas-y, on fait du bise, on fait du bise. Il est chelou, ce mec. Je crois qu'il est... Je crois qu'il a consommé, là. Il est pas dans son état normal, je crois. Il est bizarre. Ah, je sens que ça va partir en cou... Mon frère, tu fous quoi, là? Oh, non, c'est pas toi, là. Oh, c'est bon, c'est bon. Touche pas. Recule. Viens pas là-bas. Attention, je fais du kung fu, moi. J'ai fait du kung fu, recule. Recule. Recule, je te fais attaque du serpent. Recule, je te fais l'attaque du serpent. Tu veux la marchandise ou pas, là? Vas-y, sors la marchandise. Viens ici. Pourquoi tu m'insultes comme ça? Je fais pas malin. C'est bon, reste tranquille. C'est bon. Putain, t'es gueule, ok. On va faire cramer là. C'est bon, tranquille. Tu viens sur mon territoire, tu fais malin, tu mets des caméras, je sais pas quoi là, les couilles. C'est bon, tranquille, frère. Qu'est-ce que tu fais? T'as la marchandise ou pas alors? Oui, j'ai la marchandise. Vas-y, les billets, sors les billets. Montre-moi la marchandise. Sors les billets. Montre. Comment ça montre? Montre la marchandise. Oh, sors d'abord les billets. C'est pas les billets. Sors les billets, je te dis. Tu sors tes billets, je te passe et je te file de marchandise. Hey, arrête là. Qu'est-ce que ça? Il y a des gens. Je suis en train de t'enregistrer là. Attends, je regarde ça. Tu me viens là? Là, je suis en train de t'enregistrer, frère. Comment ça, tu vas enregistrer? C'est quoi ça? Non, mais je suis en train de regarder juste si ça passe bien, tu vois. T'es un flic? Non, pourquoi? C'est quoi ça alors? Rien, c'est un enregistrement, genre. Quel enregistrement? De quoi tu parles? Bah, de comment ça, de quoi je parle? C'est quel enregistrement tu parles? Bah, c'est rien, frère. Oh, sors ce truc! Sors! Monsieur, vous voulez un peu de la bonne. Ta gueule! Y'a rien ici! Voilà! Si tu parles devant les gens comme ça. Oh, écoute-moi bien. Quoi? C'est quoi ce truc? Pourquoi tu enregistres? J'enregistre pas. Tu le sors maintenant, je t'ai dit. Attends, tu le sors pas d'ici vivant, ok? Écoute, il y a des flics qui arrivent, je crois. T'es un flic, toi? T'es un flic. Je suis pas un flic. Alors sors le truc. Je touche pas. Sors le truc. Pas, tu sors pas d'ici vivant. Comment ça? Je vais t'enterrer là, tu vois. Merci. C'est mon truc d'enregistrement. Vas-y, laisse tomber, on s'en fout. Montre ta marchandise. Oh, c'est bon, passe la marchandise. Passe la marchandise. Range ça, je me balance dans la gueule. Donc voilà l'équipe, je viens de rentrer chez moi, je vous expliquais vite fait ce qui s'est passé. Quand j'ai réussi à choper le sac, le mec a commencé à me courser. Donc à ce moment-là, le caméraman a coupé la caméra, il l'a prise avec lui et il s'est barré. Donc je me suis barré aussi, il a pas réussi à me toucher, j'ai réussi à récupérer le sac. Donc il est juste là, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans tout simplement. Voilà, regardez, il y avait un jean. Un pantalon quoi. Donc en fait, le mec avait mis un pantalon dans le sac et il essayait de me faire croire que c'était une certaine marchandise. Enfin bref, je pense que vous êtes pas débile, vous avez compris. Donc voilà, de toute façon, je m'en doutais un peu, ça prouve bien ce que je disais au début. En plus d'être quelqu'un de malhonnête, ce type était un escroc. Et du coup, on a la preuve qu'il était surtout là pour racketter les gens en fait. Enfin bref, en tout cas, je pense qu'il s'en rappellera. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, comme vous savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à ma chaîne musique, je vous mettrai le lien en description. Comme je vous ai dit, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je vous sortirai un projet. Rockstar, baby, baby, rockstar, baby, baby, rockstar.